Ah, mais c'est un truc de ouf, wesh. Wesh, 15h30, 15h. Eh, je te mens pas, regarde. 15h30, 15h30. Il faut déjà qu'on allume les lumières. Eh, l'hiver, ça me casse les couilles. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Silly TV, mardi mangement, épisode 34. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors aujourd'hui, on change de cap. Je reçois beaucoup de messages de frérots qui me demandent « Ouais, Shid, c'est quand tu fais du sucré ? Shid, c'est quand tu fais un délire petit-déj ? Shid, c'est quand tu fais un dessert ? Shid, ma femme, elle aime bien quand je fais tes plats, mais elle n'a pas encore goûté un de tes desserts. Shid, chacal, chacal, j'assure vos arrières, vous inquiétez pas, je vous couvre. Du coup, aujourd'hui, on va faire du sucré, hein ? Quand vous aimez le sucre, les bisous, les câlins, le miel, le glucose, hein ? Fermez les yeux, imaginez un délire de pain perdu. Sauf que le pain perdu, on l'a remplacé par des croissants et des pains au chocolat. Et peut-être même, maintenant que j'y pense, des croissants aux amandes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, là, j'ai parlé, là, mon ventre, il a gargouillé. Moi, perso, après vous, je sais pas, tu vois. Mais moi, perso, moi. Franchement, en y pensant, là, je sais pas. Ça se trouve, c'est un bail. Ça se trouve. C'est un bail. Du coup, aujourd'hui, on va faire des croissants, des pains au chocolat et des croissants aux amandes perdus. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Des croissants, des pains au chocolat, du lait de coco, de la crème, des œufs, du sucre. S'il veut bien tenir en place, on va mettre dans ce sens-là, voilà. Du sucre glace, de l'extrait de vanille. De la crème anglaise, des fruits rouges, pour la déco, t'as eu, et de la chantilly. C'est parti. Maintenant, on va mettre nos croissants aux amandes et nos pains au chocolat dans le mélange pour que ça s'imbibe bien avant de les cuire. Alors, en attendant que le dernier finisse de cuire, on va mettre notre crème anglaise dans un petit récipient et on va le passer au micro-ondes histoire que la crème soit chaude. C'est bon ou pas ?
Mardimanche, épisode 34. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Eh, ça va l'air trop beau, genre. Oh là 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 là. Des fois, je m'étonne moi-même. Là, on sent un repas hivernal, tu vois, un repas du confort, un repas pour, tu vois. C'est Netflix and chill, les câlins, réchauffer le corps, tout ça, tout ça. Par contre, quitte à faire dans le réchauffement de corps, je crois que je vais faire un chocolat chaud. Tu sais quoi, j'arrive, je vais faire un chocolat chaud. Oh là là, le talent dans mon corps. Donc nous disions, temps hivernal pour les câlins, les bisous, tout ça. Mais du coup, je pense qu'on va attaquer. Oh, mais Dieu bénisse que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amine. Eh, c'est ouf comment c'est beau, genre. Eh, c'est trop beau, wesh. Oh là là là. Bon, on commence par lequel? C'est quoi? On va commencer par le croissant. Hop là, voilà. Mettre une chantilly par-dessus, juste pour le sport, tu vois, juste pour le sport. Oh là là. Get le bail. Bon app. On va regoûter juste pour faire les vérifications nécessaires, tu vois. Mettre dans la crème anglaise. Pour le sport. Je sais même pas quoi dire. J'ai envie de mettre de la chantilly partout, mais si je mets de la chantilly partout, tu sais quoi, on va être raisonnable. Juste pour aujourd'hui. On va pas mettre de chantilly partout. Non, si, on va en mettre. Je vais juste mettre des pointes, juste. Voilà. Encore un peu. Voilà. Frère, le croissant validé. Passons au croissant. Aux amandes. Anglaise en rapide. Oh c'est terrible. Ouh là, il y a tous les amandes. Waouh. Oh c'est terrible. Oh c'est incroyable. Eh c'est. Oh c'est incroyable le croissant aux amandes là. Wesh. Oh, le croissant aux amandes, c'est sincèrement incroyable. Dernière étape, le pain au chocolat. Bah oui, je sais pas s'il va pouvoir détrôner le croissant aux amandes. Le croissant aux amandes là, c'est quelque chose. Mais sait-on jamais. Hop là. J'avoue, il détrône pas le croissant aux amandes, mais il mérite son coup dans la chaise. Oh, c'est atroce comment c'est bon, wesh. Oh là 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 là. Pain au chocolat, croissant aux amandes, perdu. C'est même pas pourquoi on appelle ça perdu. Alors que tout ce que je vois ici, c'est de la victoire. J'avoue, la crème chantilly, là, elle a pas survécu. Je vais vous laisser le choix, tiens. Est-ce qu'on boit comme ça ou est-ce qu'on remet de la crème chantilly? Pour le style. Je vous laisse choisir. Je savais que vous étiez des gens bien. J'en étais sûr. Je savais. De toute façon, ceux qui ont dit non, vous avez pas le choix. Ici, c'est une dictature. Non, quel travail! Goûtons. Ça se boit, frère!
Un chocolat chaud, histoire de réchauffer le cœur et le corps. Reprenons notre tabassage en due forme. On va repasser par la case croissant en rapide. Guette l'intérieur. On dirait un genre de frangipane. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Non, le croissant aux amandes là, c'est chaud. Laisse-moi tabasser un pain au chocolat en rapide, en rapide. Oh, guette le chocolat fondant. Frère, c'est sexy, wesh. Oh là là. Un coup de chantilly. Attrape un fruit. Oh là là. C'est pas sexy, ça? Oh là là là. C'est atroce. C'est un concept quand même de boire une boisson chaude à la paille. En vrai. Mais du coup, tout ça là, tout ça c'est bien beau. Mais il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... de notes. Alors, en premier, le croissant. Frère, le croissant, c'est la base. Disons que c'est là où tout commence, tu vois. Aucune arôme en plus, aucune fioriture, base des bases, pas de blabla. On est dans le dur, tu vois ce que je veux dire? Vu que le goût du croissant, il est entre guillemets basique, tu vois, t'arrives à ressentir toutes les arômes que t'avais dans le lait. C'est-à-dire que là, il y avait le lait de coco, la crème, la vanille. C'est ouf parce que la vanille, tu la sens bien comme il faut, genre. Je pense que si tu fais un délire, genre, avec une vraie gousse de vanille, je pense que ça peut être encore plus lourd, genre. Du coup, le croissant, ça te donne une base en termes de goût par rapport à tous les autres. Et franchement, en termes de base, c'est super lourd, frère. C'est super, super lourd. Super, super lourd. Ensuite, le pain au chocolat. Là, le pain au chocolat avec son petit chocolat fondu, là. Oh, non, 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 non. Frère. C'est... Waouh, waouh. Tu sais, ça sent l'hiver, en fait. Tu vois, ça sent l'hiver, ça sent le réconfort, ça sent la douceur, la chaleur, les bisous, les câlins, les plaids, les films, les chocolats chauds, là. Tu sais, ça sent l'amour, en fait, tu vois. Et là, je vais pas te mentir, frère, l'amour, là, je l'ai ressenti dans mes entrailles. C'est un truc de ouf parce que, tu sais, ces pâtisseries-là, tu sais, elles sont légères de base. Et le fait de les imbiber avec le mélange de lait, de vanille, de crème, etc., là, tu sais, ça les rend un peu plus lourdes et un peu plus consistantes, tu vois. Du coup, là, c'est limite un repas entier, en fait, tu vois. Mais ouais, pour revenir au pain au chocolat, franchement, le chocolat fondant, là, pff, incroyable, franchement, incroyable, incroyable. Ensuite, notre MVP, la star. Le croissant aux amandes. Hey, le croissant aux amandes. Frère, le croissant aux amandes, c'est chaud. Le croissant aux amandes, c'est très très chaud. Tu vois, on est en Angleterre. Et les Anglais, en termes de pâtisserie, ils sont pas super forts. On va pas se mentir, ils sont pas super forts comparé à la France, tu vois. Allons enfants de la patrie, tout ça, tout ça. La France sait faire des pâtisseries, tu vois. L'Angleterre, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas mauvais, frère. Mais le croissant aux amandes, là, je sais pas si de base il était ouf ou si c'est le fait de l'avoir plongé dans le mélange qui fait que là, ce soit très très chaud, tu vois. Du coup, je vais juste dire, le croissant de base n'était pas mauvais. Mais je pense que le mélange a monté le niveau. Parce que là, j'ai goûté le croissant, j'ai dit c'est chaud. Mais j'ai goûté le croissant aux amandes. Mais j'ai cru j'allais m'évanouir. Là c'est chaud là. Là c'est chaud de ouf, tu vois. Là c'est chaud de ouf. Comment c'est lourd. Oh c'est atroce. En termes de notes, c'est super chaud là. C'est super chaud. Je veux pas dire un truc de ouf. Parce que. Là je suis sur le coup l'émotion, tu vois. Donc ça se trouve, je vais te dire une note de ouf alors que tu vois. Tu sais quoi? Essayez-le et vous me dites. Mais moi, en tout cas, moi, croissant aux amandes là, c'est un 9,25 sur 10. On va pas tourner autour du pot, frère. Là, c'est super chaud. Là, c'est super. Là. C'est. Genre, c'est super chaud, genre. Ensuite, en deuxième, je pense que on va mettre le pain au chocolat. Tu vois, on va mettre le pain au chocolat. On va enlever. Allez, 8,5. Franchement, 8,5. 8,5, le pain au chocolat. Le pain au chocolat perdu. Et pour finir, le croissant perdu. Je pense qu'on va lui mettre 8. Là, le MVP du jour, c'est le croissant aux amandes perdu, là. Je sais même pas pourquoi on appelle ça perdu, alors qu'il nous permet de nous retrouver.
Oh, c'est une dinguerie. Eh, j'en reviens archi pas. Genre, oh là là, comment c'est bon. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Frère, le chocolat chaud, c'est un chocolat chaud de base. Ouais. On va même pas noter, frère. Ouais. C'est basique. On n'a rien fait de ouf. Du coup, celui-là, on va dire que c'était juste le joker pour aujourd'hui. C'est bon ou pas? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes, que ces potes-là en parlent à leurs frérots au Pôle Nord, que ces frérots au Pôle Nord en parlent au CR avec le des rouges là, Rudolf, tout ça, je sais pas là, que ces CR en parlent au Père Noël et que le Père Noël... Viens s'abonner à ma chaîne, tu vois pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Frère, le croissant aux amandes là, je vais jamais m'en remettre. J'ai envie de le garder, mais j'ai envie de taper dedans. Je vais taper dedans. Parce que là, on sait jamais. Ça se trouve, il y a une météorite qui va tomber là, et j'aurais pas mangé mon croissant aux amandes. Donc mangeons, mange avant que la vie ne te mange.